guy down there. He always jaywalks as well. Must be French. Okay. Not in our name. Palestinian lives matter too. My right hand forefinger is becoming so cold, I think it's too frozen to be recognized by the fingerprint opening mechanism of my Google 7 phone. Anyway, I can look forward to getting some chai at the Indian restaurant there at the corner at the at the end metro subway station. At least they're passing there as well again. Oh, they're gonna stop. Give me another shift here. I guess I'll stay for a while. Not in our name. Palestinian lives matter too. Canada voted for a ceasefire and we can support it too. Come on, Tilsa. Tesla. I guess that's why I didn't leave. Okay. Not in our name. Palestinian lives matter too. Canada voted for a ceasefire. That means that we can support it too. Bonjour. Ça va bien. C'est un peu froid maintenant. C'est plus froid? C'est vrai que peut-être que je peux rester encore une 30 minutes ouais. Seulement. Correct, on voulait juste vous voir, demander, discuter un peu avec vous, savoir qu'est-ce qui vous amenait, c'était quoi vos intentions aujourd'hui. Oh, pas grand-chose aujourd'hui, c'était une gare qui était un peu menaçant, mais c'est pas avec ça. Quoi? Une gare qui était menaçant. Avec vous? Oh oui. Ok. Oui. C'est un supporter qui m'a donné cette body cam pour me garder pour en sécurité. Pour vous protéger au final? Pour vous protéger? Oui, bon, okay. Pour me garder en sécurité. Parfait. Alors ça c'est bon. Et votre présence aussi, c'est apprécié. Ben, nous on est là pour protéger tout le monde. Là, fait que, oui, c'est pour ça. S'assurer que... Puis est-ce que vous venez souvent ici? Oui, à chaque jour, sauf le vendredi, samedi pour le sabbat. Ok. Okay. Et jusqu'à il y en a, ça c'est peu. Ok. Parce que c'est pour mettre de pression pour que les Juifs, va dire à Israël pour s'arrêter. Pour que les Juifs? Disent à Israël pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, ok. Parce que les manifestations ordinaires, ils ne font rien du tout. Non, je comprends. Ah. Ben, c'est même que, tant que vous êtes pacifique, vous n'incitez pas à la haine ou
à quoi que ce soit. C'est ça, on n'a pas de problème avec je ça. Je voulais faire éduquer le monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de censure. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi qui est l'actualité. Ouais, ils croient des mensonges et c'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent d'un peu partout. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, d'un côté comme de l'autre, de se situer dans tout ça. Ouais. Dans tous les cas, nous autres, on est là pour protéger tout le monde. Il n'y a pas de parti pris. Très bien, oui. Bon? Et aussi, j'ai entendu dire un dimanche, quand il y a un supporter qui est venu avec moi, alors j'ai été informé que moi, je suis responsable pour tout le monde qui vient avec moi. Alors je dois les garder. Ouais, si vous êtes le responsable dans une station, c'est ça, oui, c'est je ça comprends une bien. Personne qui. C'est ça, c'est ça pour, parce que je dois te. Faites attention pour que les gens qui viennent avec moi ne sont pas hostiles. Ouais, c'est ça. Parce que pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils doivent blâmer tous les juifs. Alors, ouais. C'est pas ça le cas, c'est comme moti-moti. Et je ne laisse pas entrer personne ici avec moi qui veut promouvoir la haine. Non, c'est ça. Qui est fâché avec tout le monde. Non, c'est pas, ça ne marche pas comme ça. Ben, c'est tant mieux. C'est ça que. Ouais. C'est ça qu'on souhaite tous. Ouais. Alors, j'espère que ça va mettre une pression sur les agences sionistes ici et qui va communiquer avec le consulat, qui communique avec le gouvernement d'Israël, qui va dire « Ok, on va faire un cessez-le-feu maintenant, à cause de moi. » si c'est grâce à vous, ça serait tant mieux, hein? Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous désirez vous identifier à vous, une pièce d'identité? Vous n'avez pas l'obligation, j'ai une carte, mais... Juste pour savoir à qui je m'adresse aujourd'hui. J'ai ma carte académique. C'est pas dans un but négatif. Là. Il y a... Tu peux le décoller. All right. On va tous coller ensemble. Ok, so you have your own card, Dr. Ouais. Abraham. Oui, je suis docteur en sciences politiques. Sans emploi. C'est-tu la première journée que vous venez ici? Non. Nous, c'est la première fois qu'on vous voit, mais... Oui, j'ai fait tous les dimanches et après que le cessez-le-feu s'était terminé, j'ai commencé ici chaque jour parce que je savais... Chaque jour? Oui, chaque jusqu'à jour. Quelle heure? Sauf vendredi, samedi, parce que c'est fermé. OK. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à temps que ça ferme? Jusqu'à coucher le soleil, quand ça fait trop froid. Mais autrement, je suis bien habillé. Il faut bien s'habiller parce que... Ouais. Quand ça fait froid. Ouais. Mais j'ai passé... Première semaine dans la tempête de neige. Oh. Mm. Et j'ai 4 livres dans la bibliothèque juive ici, là. Mais je ne suis pas permis que vous avez, pour... Que vous avez écrit? Oui. Parce que je n'ai pas eu des emplois comme professeur dernièrement. Alors, j'ai écrit des livres. Je suis passé en Palestine aussi, en Naplus. Et j'ai écrit un livre là. C'est ça, parce que je vois que... Ça, c'est votre numéro palestinien? Ou... Oui. Mm-hmm. Oui. Et je suis bien reçu là. Il n'y a pas de haine contre les Juifs. Il y a un peur des gens qui viennent avec des fusils. C'est ça l'affaire. Ouais. Alors, il y a la haine pour les gens qui viennent avec des fusils. Ah, je comprends. Ouais. Mais la seule chose, j'ai de la difficulté à comprendre, est-ce que vous êtes d'origine palestinienne? Non. Vous êtes d'origine non. juive? Juive, oui. Mais vous vous rendez Mes parents sont des réfugiés de l'Holocauste même. OK. Mmh. C'est comme ça que j'ai été enseigné pour ne pas tomber... aveuglé pour être un esclave des partitionnistes qui sont des chauvins nationaux, okay. En effet. Alors, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et il n'y a pas de loi internationale et personne ne peut pas leur dire quoi faire. Tout ça, là, c'est bien par après. Ouais, alors, j'ai cassé ça pour être ici parce que tout le monde va savoir que pas tous les Juifs, au moins, sont d'accord. Ça, Et nous, ici, les Juifs, n'ont pas de vote dans les élections d'Israël. Hein? Non, on n'a pas de vote, on n'est pas des citoyens, on n'a pas de vote, mais le gouvernement d'Israël dit à les Juifs ici quoi penser. C'est ridicule. C'est comme une dictature. Et il y a de l'argent qui est collecté par le CJA, Combined Jewish Appeal, comme une taxation. C'est comme une taxation sans vote. Okay. Ah, fascinant. Bon, moi je vais aller dans la voiture. Ok, chauffe-toi. Bonne journée, monsieur. Merci. Ok.